في موضوع آخر، استبعد الخبير الأمني الفرنسي ومدير منظمة الأبحاث الاستراتيجية بباريس كامي جراند أي تدخل لقوات المارينز الأمريكية المرابطة جنوبي إسبانيا في ليبيا أو في أي دولة مغاربية أخرى، مؤكدا أن دورها لوجستي بحت يكمن في إجلاء رعايا واشنطن في حال أي اضطرابات أمنية. أحمد حفصي تقرب من مدير منظمة الأبحاث الاستراتيجية بباريس كامي جراند ورصد التالي. Les Américains ont toujours une très forte présence en Méditerranée, présence navale et présence d'un groupe de Marines à bord des vaisseaux de la marine américaine. Leur objet principal est d'être en mesure d'intervenir pour protéger des ressortissants américains ou intervenir s'il y avait une situation de crise. C'est évidemment lié à l'attaque du consulat américain à Benghazi qui a beaucoup frappé l'opinion publique américaine. Et donc les États-Unis ont pris des mesures leur permettant d'être en situation d'évacuer très rapidement des personnels américains, des citoyens américains, si une situation du même type devait se reproduire. Je ne crois pas, cela dit, que ce soit le prélude à une nouvelle intervention américaine, que ce soit en Libye ou sur d'autres théâtres d'opération.